Bien, nous sommes ici à Kilwa, le chef-lieu du diocèse de Kilwa-Kasenga, pour l'ordination épiscopale de Monseigneur Désiré Lengue, mon successeur. Alors, nous avons toute la délégation qui représente l'Église. C'est vraiment le rassemblement d'une portion du peuple de Dieu ici. Donc, l'Église montre véritablement son visage mosaïque. Eh bien, je la trouve normale. C'est vrai qu'elle a duré 3 ans, c'est-à-dire que le travail qui a été fait pour trouver les successeurs, c'est un travail méticuleux, un travail sérieux, un travail qui donne de bons fruits. Je suis content que la succession se passe de cette manière-là. Et c'est ça la logique dans l'Église. Nous venons, nous passons, il n'y a personne qui est indispensable, et puis nous préparons les dossiers pour que l'Église continue son chemin. En tout cas, jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Trouvez-vous quelques défis auxquels votre successeur doit marteler? Bien, d'abord, il faut unir tout le monde. L'unité, c'est un grand défi dans l'Église. Autour de la foi, bien sûr, et autour des valeurs chrétiennes, autour du message que nous annonçons. Et puis, bon, il y a bien sûr la prise en charge. Là, il faut qu'on puisse intensifier, mais avec une population pauvre, et rural, ce n'est pas toujours évident, mais les gens doivent se serrer les coudes autour de leur nouvel évêque pour qu'ils puissent prendre en charge l'œuvre de l'évangélisation. Bien, il y a tous les défis de l'inculturation, et puis comment vivre la foi chrétienne dans notre culture aujourd'hui, ça c'est des défis permanents. Et bien sûr, il y a l'organisation de la pastorale. Mais là, il y a des bases solides que nous avons laissées. Je crois que l'évêque, le nouvel évêque va les continuer. Et je pense qu'en répétant la devise du nouvel évêque, le clergé doit être uni autour de son évêque. Et les membres du clergé sont les premiers coopérateurs de l'évêque. Alors, il ne faut pas seulement avoir ce statut, mais encore faut-il bien collaborer pour que les choses puissent aller de l'avant. Moi, je pense que c'est un diocèse qui a bien démarré, qui marche bien et qui a tout intérêt à continuer sa marche sans encombre. Le message capital, c'est qu'il faut qu'il puisse accueillir le Christ comme les apôtres l'avaient accueilli et accompagné, comme ils avaient sacrifié pratiquement leur vie pour que l'Évangile soit connu à travers le monde entier. Avoir un nouvel évêque, c'est une chose, mais bien accueillir le message chrétien, c'en est une autre. Ça reste bien sûr un défi pour nous tous, mais il faut vraiment se concentrer sur Jésus-Christ et se laisser transformer par lui, le servir et vivre un témoignage chrétien qui soit convaincant. Parce qu'on ne peut pas être seulement chrétien parce qu'on a reçu des sacrements, mais qu'est-ce que ces sacrements font dans notre vie? Je pense que ça, c'est le message le plus important. Il faut prendre Jésus-Christ au sérieux, et il donne assez de grâce pour que ceux qui le prennent au sérieux puissent voir leur vie transformée, et qu'ils aient une autre façon de voir les choses du monde, une autre façon de vivre, vivre dans la fraternité sans frontières, le vivre ensemble, la charité, la production des œuvres de la miséricorde, le souci des pauvres, tout ça, être véritablement des chrétiens, alors des chrétiens authentiques. Thank you.
C'est beaucoup, c'est toujours beaucoup d'émotions quand on rentre chez soi, non? J'étais déjà venu ici une semaine après la nomination pour une messe d'action de grâce. J'espère que vous avez vu les images. Mais cette fois-ci aussi, c'est toujours c'est le même enthousiasme du peuple de Dieu. C'est la joie qui transparaît d'une église synodale pratiquement. Pour moi, c'est toujours beaucoup d'émotions. Mais je pense quand même que c'est au fond de moi, c'est plutôt une forte interpellation hein, devant la charge qui m'attend. Ah, mais surtout, le premier aspect, pas tellement. L'Église est universelle. Et puis, l'évêque est nommé pour l'Église universelle. Hein, il peut être chez soi, il peut être ailleurs, mais il est dans l'Église, il travaille pour l'Église. C'est surtout comme pasteur, hein, comme vous le savez, les défis de la foi d'abord. Hein, défis de la foi et puis le défi d'une Église, famille de Dieu, qui chemine ensemble, n'est-ce pas, pour connaître le Christ, pour le faire connaître et pour être des témoins du Christ ressuscité, comme notre devise du centenaire le dit, n'est-ce pas.